Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va utiliser le dernier fond qu'on a fait il y a bientôt 15 jours, même 15 jours, avec les encres à alcool. J'ai sorti une planche de tampon MFT, il s'agit de la planche de tampon Space Explorer. J'ai sorti un papier Nina Solar White et je viens tamponner avec la Memento, ce petit cosmonaute, la Lune et une planète. Pour une mise en couleur comme vous vous en doutez, avec les feutres à alcool. Une mise en couleur très simple, vous allez voir, j'ai vraiment fait des tonalités on ne peut plus simples. Et quand j'ai pu, je vous ai mis la référence des feutres, notamment quand il s'agit des spectrums noirs. Quand il s'agit des promarqueurs, je ne peux pas vous mettre la référence. Elle est indiquée sur le bouchon avec la pointe biseautée et donc du coup pas sur celle que j'utilise. Je vous laisse comme d'habitude avec la mise en couleur en musique. Une fois que j'ai terminé la mise en couleur, j'ai trouvé ce papier jaune pailleté. Alors c'est des papiers que j'avais achetés il y a très longtemps. J'ai beaucoup de couleurs et ils sont tous pailletés mais la structure est lisse en fait. Je crois que c'est un papier Clairefontaine, j'avais dû prendre ça à la Fnac. Enfin je me souviens plus exactement mais du coup je suis en train de faire mes fonds de tiroir et ça me va très bien. J'ai décidé cette année d'utiliser ce que je n'utilise pas en temps normal. Et puis qui est dans le fond d'un tiroir et que je ne ressors pas forcément. Donc je redimensionne le tout et puis je vais venir coller mes petits personnages. Donc le petit astronaute, je le colle avec ma colle 6X pour éviter que ça ne gondole. Je pose mon bloc acrylique et puis regardez, j'ai trouvé ce petit truc qui était sur mon bureau hein, dont je ne me sers pas du tout. Je sais plus comment ça s'appelle ça, comment on appelle ça. Alors vous allez voir que là je vais me tromper, en fait je le colle. Je vais m'en rendre compte qu'après, je me souvenais plus dans quel sens ça se collait. Et je me rends compte qu'en fait, si je colle comme ça, on voit la petite armature en plastique.
et c'est pas très très joli. Tandis que si je le colle dans l'autre sens, donc j'en ai repris un autre, hein, et puis là, si je le colle dans ce sens-là, ben, on voit pas la petite armature en plastique. Et la petite planète, eh bien, j'ai décidé tout simplement de la coller avec un scotch 3D. Une petite mousse adhésive noire. C'est Crafty Alex qui m'a donné envie d'acheter ces petites mousses noires. Et puis ensuite, j'ai monté ma base de cartes. Alors, sur les photos de fin, vous verrez. Là, j'ai rajouté un peu de pinceau à paillettes. Mais sur les photos de fin, vous ne verrez pas vraiment la totalité de la carte terminée. Puisque j'ai rajouté du glossy accent sur le hublot du casque de ce petit astronaute. Et qu'ensuite, j'ai monté ma carte sur une base de cartes en papier Maya, comme d'habitude. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.